Nous sommes en grève, c'est tout le Burkina Faso. Ça concerne toutes les boulangeries. On est en grève, c'est pour ça qu'on a fermé. Pas de production à la boulangerie Wenkonta, Sizapissi. Même constat à la boulangerie La Baguette du Faso de Ouaga 2000. Et pour cause, les boulangers grognent. Ils sont en grève de 72 heures depuis le 9 pour de meilleures conditions de vie. Ce matin, depuis la bourse du travail, les boulangers ont marché en direction du ministère de la fonction publique. Accueillis par le secrétaire du dit ministère, représentant le ministre absent, le secrétaire général de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers du Burkina remet ici les plateformes revendicatives qui se résument en 5 grands points. Après avoir discuté durant un an, nous sommes aboutis à un projet de convention. Malheureusement, aujourd'hui, la signature pose un problème. Pendant ce temps, toutes les difficultés que les travailleurs rencontrent dans leurs différentes boulangeries, les patrons les renvoient à la convention. Pendant ce temps, il y a les licenciements qui continuent. Pendant ce temps, les droits des syndicats ne sont pas respectés. Donc, comme nous sommes dans un pays de droit, nous venons ce matin, en tout cas, pour vous remettre une lettre de protestation, pour vous signifier que nous ne sommes pas du tout contents de notre situation, étant donné que nous sommes burkinabés comme tous les autres. Ce matin, monsieur le ministre est en mission. Comme vous le savez très bien, il est à la conférence internationale du travail. Il a eu vent de votre mouvement. Il m'a chargé à son nom de vous recevoir et de recevoir le message que je ne manquerai pas de transmettre à son retour. Donc je voudrais vous rassurer et surtout vous rassurer de notre disponibilité parce que vous avez suivi les travaux de négociation sur la convention collective et vous avez vu aussi les efforts qui ont été déployés par l'administration pour examiner cette question. Et comme vous l'avez bien dit, nous sommes arrivés avec vous et avec les employeurs à une étape très décisive. Et nous ne manquerons pas en tout cas de prendre les dispositions en vue de la convention, de cette signature de cette convention collective qui est le fruit d'une négociation, comme vous l'avez dit, depuis mars 2015. Cette grève nationale n'a pu être suivie dans l'ensemble du territoire, à l'exemple de la ville de Bobo-Dioulasso. Nous avons adressé la correspondance à ceux de Bobo, particulièrement à ceux de Wenkonta. Il y a un point sur lequel ils n'étaient pas d'accord. Le point qui concerne la reprise des travailleurs licenciés à Bobo. Alors, nous, on se pose la question, un travailleur n'est pas un patron. Pourquoi un travailleur peut s'insurger contre la reprise de ses camarades? Sans la signature de notre convention, il n'y a pas de pain. Sans convention, pas de pain. Le pain, voici un mets très prisé au Faso qui se fait désormais rare depuis l'entame de la grève. Mais ça fait combien de jours qu'il n'y a pas de pain? Bon, presque deux jours maintenant. Ils ont parlé qu'il y a trois jours. Bon, d'ici trois jours, là, à l'heure même, on cherche de pain, on ne trouve pas. Parce qu'il y a des gens aussi, il n'y a pas de pain, on ne peut pas manger. On utilise le pain beaucoup. C'est le pain qu'on utilise beaucoup. Les restes, bon, on n'utilise plus. Depuis hier et avant-hier, il n'y a pas eu de pain. On ne sait pas pourquoi on a appris qu'il y a eu de grève dans les boulangeries. Bon, on espère qu'on va essayer de voir ensemble et puis régler cette affaire. Sinon que les gens viennent dans les kiosques parce qu'il n'y a pas de pain, les gens repartent, donc on n'arrive pas à vendre. Donc on espère que les gens vont essayer de voir entre eux là-bas et puis régler ce problème-là. Cela remonte à 1981 que les boulangers du Faso mènent cette lutte et en croit le secrétaire général de la FNBP, d'autres actions seront à l'horizon si rien n'est fait d'ici là.
Le décor est planté pour les festivités de la deuxième édition de la musique chrétienne qui débute ce 8 juin jusqu'au 21 juin, date de la célébration de la musique partout dans le monde entier. Compte tenu des 14 jours de festivités, la FMC 2016 prend une tournure de festival sous le thème « La promotion de la musique chrétienne, défis et perspectives ». Il s'agit spécialement d'amener un réveil de conscience par rapport à nos choix de musique, par rapport à le travail que nous faisons pour la musique chrétienne en général. C'est amener le peuple de Dieu, amener aussi les mélomanes à rechercher l'excellence au niveau de la production de la musique, mais aussi au niveau de la consommation de la musique. C'est amener tout un chacun dans sa partie de pouvoir faire quelque chose d'excellent. La fête de la musique chrétienne FMC est le produit du partenariat entre CVK LVD et la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue, dont le but est de promouvoir partout la musique chrétienne évangélique et gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Comme une fleur qui s'ouvre tout doucement, il y aura une époque où la fleur va s'ouvrir calmement. Mais convenez qu'au début quand même, il ne faut pas être assez. Et là, il faut aller doucement, comme il le dit. Donc moi, je pense que c'est une stratégie également qui va doucement, va sûrement. Et nous comptons sur les bénédictions et les prières des uns et des autres pour que le festival, en tout cas, aille de plus en plus en s'agrandissant. La présente édition se démarque de la précédente par deux innovations majeures. La foi sera pour trois jours, du 17, 18 et 19, et c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir prendre un stand, tout le monde peut venir payer quelque chose, suivre, voir quelque chose. Et en même temps, le soir, il y a des spectacles qui seront organisés avec plusieurs artistes, musiciens chrétiens évangéliques de la place. Deuxième grande innovation, c'est l'introduction des prix FMC en 2016. Donc, pour cette année, on a trois prix spéciaux qu'on dédie à trois personnes qui... Et j'allais dire mérite pour cette année, selon nos sondages, voilà, et selon les décisions du jury. Mais il y aura parmi ces nominés-là une personne qui sera désignée par le public comme vainqueur aussi au niveau du prix du public. Foi, concert live, jamming, la FMC 2016 s'annonce en toutes couleurs et qui de Rose Bationo, Serge Betsalel ou encore de Alain Wenoso remportera le prix FMC d'or au soir du 19 juin 2016. Après le Bénin, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo, le Burkina Faso accueille cette année la 6e journée de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Dans la perspective de relever le taux d'épargne dans l'Union et renforcer les fonds propres des entreprises en leur offrant la possibilité d'élever directement des capitaux sur le marché et réduire les coûts de l'intermédiation financière par la promotion de la finance directe que le Conseil des ministres de l'Union économique monétaire ouest-africaine a créé en septembre 1998 le marché financier régional. Après 18 années d'existence, la Bourse régionale des valeurs mobilières a su se positionner dans le top 10 des bourses africaines. Sixième bourse sur le continent avec une capitalisation de 7 500 milliards de francs CFA au 31 décembre 2015, la BRVM a terminé l'année avec la meilleure performance du continent, soit 17,77% de progression de son indice composite. Et il ne s'agit pas d'un phénomène conjoncturel. En effet, la capitalisation du marché des actions de la BRVM a doublé en 4 ans, passant de 3 177 milliards à 7 500 milliards au 31 décembre 2015.
Le marché obligataire a suivi la même tendance, passant à 1 579 milliards au 31 décembre de l'année dernière. Les volumes de transactions ont triplé à la BRVM. Les valeurs de transactions ont quadruplé à la BRVM en 4 ans. En raison de la croissance accélérée de nos économies, des réformes entreprises, notamment le passage à la cotation en continu, la baisse des tarifs, la remontée des actions de promotion ainsi que les contacts avec les investisseurs régionaux et internationaux. Cette journée de la BRVM est placée sous la présidence du Premier ministre burkinabé Paul Kabatiba, un connaisseur du marché des bourses. Mesdames et messieurs, la tenue de la présente journée vient donc à point nommé. Elle permettra, je n'en doute point, d'accroître la visibilité de la BRVM et de la rendre plus attractive et plus compétitive au service du financement des économies de l'Union économique, des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les thèmes qui seront abordés au cours de cette journée me semblent très pertinents, à savoir le rôle de la BRVM dans le financement du développement des économies de l'UMOA, le financement de l'entreprise par la bourse, le placement de l'épargne en bourse, la diffusion de la culture boursière par les médias, permettront, j'en suis persuadé, aux entreprises burkinabées et au public de trouver les réponses appropriées à leurs préoccupations et à leurs hésitations à s'intéresser à la BRVM pour mobiliser des ressources ou mieux rentabiliser leur épargne. Les activités boursières ne sont encore entrées dans les habitudes des Burkinabés, un défi que la BRVM compte bien relever. En attendant, Paul Kabatiba propose quelques réformations pour mieux dynamiser la BRVM, à savoir le respect de la règle du flottant afin d'accroître la liquidité sur le compartiment des actions, la création d'un compartiment dédié aux PME-PMI, la création des conditions du développement de la gestion collective ou encore le renforcement de la promotion de la bourse régionale des valeurs mobilières. Du 26 novembre au 3 décembre prochain se tiendra dans la capitale burkinabé un festival de danse contemporaine. Les organisateurs ont animé un point de presse ce matin pour donner plus de détails aux hommes de médias. Biennale Danse, l'Afrique Danse est un événement qui a été créé, donc, comme Irène l'a dit, en 1995 à l'initiative de l'Institut français de Paris, qui est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères français pour l'action culturelle extérieure de la France, et qui donc a lieu tous les 3 ans. Et il fait converger dans une capitale africaine de nombreuses compagnies, mais aussi des programmateurs pour mettre en lumière les nouveaux talents émergents de la scène de la danse panafricaine. Il y aura au programme la danse, la musique, des expositions photos, des plasticiens, des conférences, débats, etc. Dans cette programmation, il y aura vraiment cette cohabitation entre les anciens, les jeunes, pour montrer que l'art aussi, c'est une question de la transmission. Voilà. Et on va pas rester seulement sur la danse. Tout ce qui concourt à porter la réflexion plus loin, donc d'où des conférences avec des thèmes bien précis qui vont être donnés pour que tous les publics puissent avoir des lectures sur qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qui se joue, et puis surtout parler de l'enjeu de la création chorégraphique, artistique tout court sur le continent africain. Donc il y aura des conférences, il y aura des projections de cinéma, de vidéos, danse. Donc, pour toujours lier à la mémoire de la transmission, on va projeter des films qui ont été réalisés sur la danse des années 70, 80, et puis montrer ça aujourd'hui que toute chose, toute discipline artistique a une histoire. Donc, montrer aussi l'histoire de la création contemporaine en danse. Le CITO, l'Institut français et l'ATB sont les lieux choisis pour abriter ces manifestations.
Quelques jours après sa prise de fonction, le nouveau commissaire du gouvernement près du tribunal de Ouagadougou a tenu à rencontrer la presse pour échanger sur un certain nombre de dossiers de sa juridiction. Rappelant sa mission qui est d'apporter la sérénité dans la conduite des dossiers au regard des normes internationales, le tout étant de rendre une bonne justice au nom du peuple, le commissaire du gouvernement a procédé à une évaluation de la situation des procédures. Il ressort 4 dossiers majeurs, dont celui du ministère public et les héritiers de feu Thomas Sankara contre X. Le problème majeur que nous avons dans ce dossier, c'est la réalisation de la contre-expertise demandée donc par 3 familles, et nous essayons donc avec les juges et les parties de trouver donc une solution, et nous pensons que cela ne tardera à voir jour. En ce qui concerne le dossier ministère public contre le général Diendieré Julbert et 74 autres, il reste des confrontations à faire et des précisions à demander dans certaines dépositions. Les 2 autres dossiers concernent ceux du ministère public contre Diosongo Soumaïla et 38 autres et celui contre le sergent Sanou Ali qui, des dires du juge d'instruction, pourra être clôturé avant les vacances judiciaires. Notons également que les 9 mandats d'arrêt annulés par la Cour de cassation ont été corrigés et transmis de nouveau au ministère des Affaires étrangères. Cependant, pour ce qui concerne M. Guillaume Soro, c'est la procédure de dénonciation qui est engagée au regard du principe selon lequel aucun État n'extrade son national. La procédure de dénonciation est une procédure qui est prévue donc en droit positif burkinabé. C'est une procédure qui permet tout simplement à une victime burkinabé ou à une autorité judiciaire burkinabé qui a connaissance d'une infraction commise par un burkinabé, enfin, contre un burkinabé ou par un burkinabé hors du pays et qui se réfugie au Burkina, soit qu'on poursuit ce burkinabé ou bien ou celui qui commet une infraction contre le Burkina en dehors du Burkina, nous saisissons donc son état. Et nous portons donc à la connaissance donc de cet État donc les faits qui sont incriminés à son citoyen et nous lui demandons tout simplement donc d'appliquer la loi. Le siège se trouve dans l'article 4 de notre code pénal. Vous pouvez donc aller regarder comment ça se fait. C'est le mécanisme comme ça. Si vous êtes burkinabé, vous commettez une infraction au Niger et vous venez vous courir rentrer à Ouagadougou, les Nigériens peuvent dénoncer cette situation au Burkina et au Burkina donc de vous poursuivre et de vous juger. Qu'en est-il du mandat d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré? Ce mandat n'a jamais été annulé et nous l'avons communiqué. Parce que les mandats qui ont été annulés, c'était dans le dossier ministère public contre le général Guenguéré et autres. Mais dans le dossier ministère public et les héritiers de feu Thomas Sankara contre X, connu plus tard sous le nom donc de Kafando Toussmaïa Sainte, aucun mandat n'a été annulé dans ce sens. Mais comme la haute cour de justice, la haute juridiction a pris position, parce que les premiers mandats qui avaient été annulés, c'était donc pour des questions donc de vice de procédure, nous avons donc repris, nous avons demandé plutôt au juge de se raviser et de voir si ces vices ont été constatés. Et le juge nous a dit qu'effectivement, il va regarder. S'il s'avère qu'effectivement, il y a ces vices-là, nous aviserons. Nous allons donc saisir donc la chambre de contrôle d'instruction pour éventuellement purger donc ces vices-là. C'est tout. Conscient de la grande délicatesse et du caractère très sensible des dossiers à lui confier, le juge militaire rassure que justice sera rendue à tous ceux-là qui sont tombés dans ces événements douloureux qu'a traversé le pays dans des délais raisonnables.
L'incivisme défraie la chronique au Faso. Les différents acteurs de la société burkinabé ont tous leur part à jouer et compte tenu de l'enjeu et pour ne rester en marge, l'Association des journalistes burkinabé, AJB, en partenariat avec le Réseau national de lutte anticorruption, RENLAC, tient ce présent atelier pour susciter l'engagement des hommes des médias pour lutter efficacement contre ce mal qui mine les valeurs et mœurs du pays des hommes intègres. L'atelier est parti du constat que au Burkina, les questions, les principales questions qui reviennent, c'est la question de l'incivisme, la question de la déperdition des valeurs. Et si vous regardez, de près, vous verrez que les journalistes eux-mêmes, ils en ont pris conscience. Parce qu'ils ont, ils alimentent des rubriques voilà, pour attirer l'attention sur certains manquements. Mais il apparaît aujourd'hui que pour la plupart des Burkinabés, les journalistes ne font que ça, que des constats. Alors, ils ne s'impliquent pas. Alors, ils n'organisent pas de débats sur ces questions. Alors, donc, nous sommes sentis interpellés. Selon les conclusions de l'étude menée par le RENLAC sur les valeurs morales et éthiques du Burkina Faso, il en ressort que l'argent demeure la principale raison du régressement de toutes ces valeurs qui a pris un coup à partir des années 1990. L'homme, lorsqu'il n'a pas l'éducation, le civisme et la moralité nécessaires, est comme tous les autres animaux obéissant à ses instincts. C'est à cause des valeurs morales que l'homme est gêné, que l'homme est courtois, que l'homme est poli, que l'homme a en quelque sorte une différence dans le monde animal. Donc nous avons dit qu'il était bon de faire donc une étude approfondie. Et cette étude-là a révélé qu'avec le règne du roi Argent, effectivement le Burkina a perdu beaucoup de choses en matière de valeurs. Parce que dans la société traditionnelle burkinabé, il y avait des valeurs comme la crainte de Dieu, comme le respect des ancêtres, comme le respect de l'autre, comme le respect de soi-même. Mais avec l'argent, et tout ça était devenu caduque. Peu importe ce qu'on faisait, l'essentiel était qu'on gagne l'argent. Et c'est en quelque sorte l'argent qui a sapé ces valeurs-là. La démission des parents vis-à-vis de leurs enfants, la faillite des autorités publiques ou encore de l'État sont autant de raisons possibles qui expliquent la poussée grandissante de l'incivisme. Pour l'AJB, tout est question d'éthique, toutes les différentes couches, à commencer par la famille, l'État, les religieux ou encore la société civile, doivent tous mettre la main à la pâte pour évincer le mal hors des frontières du Burkina Faso. Après ses brillantes victoires aux élections présidentielles, législatives et aux municipales, le mouvement du peuple pour le progrès n'entend pas dormir sur ses lauriers. Aussitôt la fièvre électorale passée, que le parti s'engage en collaboration avec la fondation Friedrich Ebert à former sa jeunesse sur l'idéologie de la social-démocratie. Le MPP, par sa direction, a pensé que la meilleure façon donc d'avoir des bons politiciens, c'est de former les démocrates, c'est de leur donner les rudiments nécessaires pour aller sur le terrain et pouvoir faire passer le message donc, du parti. Et donc c'est dans cette logique-là que le parti a décidé. Vous savez que nous sommes un parti social-démocrate, mais tu ne peux pas être un parti social-démocrate sans connaître même les fondements, sans connaître les bases donc, de la social-démocratie. Donc c'est en cela donc, que le parti a initié cette formation pour nous aider à nous aguerrir et à avoir les fondements nécessaires pour permettre à ce que dans les discussions et dans nos façons de faire, que nous puissions être véritablement des jeunes sociaux-démocrates qui sont soucieux donc, du capital humain, parce que la social-démocratie, c'est de mettre l'accent sur le capital humain, investir dans l'homme, et c'est de telle sorte que nous puissions aussi encadrer le travail qui est fait au niveau de notre gouvernement, parce que si nous sommes un parti social-démocrate, cela sous-entend que le travail qui est fait sur le terrain doit être donc en droite ligne donc avec ce que nous avons comme idéologie. Donc je pense que cette formation est la bienvenue, et vous voyez que nous avons les représentants des 45 provinces qui sont là avec nous. Et ces gens-là, au retour donc, dans leur province aussi, vont être des formateurs. Ils vont faire passer le message et permettre à ce que tous nos camarades qui sont dans les différents bureaux puissent avoir donc ces rudiments nécessaires pour défendre le parti à la base.
Pour la direction du parti, les grandes victoires remportées par le MPP l'ont été non seulement par l'action des hommes et des femmes du parti, mais aussi grâce à la combativité et à l'engagement de sa jeunesse. Nous sommes une jeunesse prête au sacrifice pour changer le destin de notre peuple en faveur du progrès et de la liberté. Conformément aux promesses de la direction politique, nous commençons aujourd'hui une série de formations qui débute ce soir, mais qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année sur différents thèmes. Ces formations, nous l'avons dit, ont pour but d'armer idéologiquement et politiquement nos militants jeunes. Parce que sans conscience politique, il n'y a pas d'action politique. C'est pourquoi la direction du parti compte sur ces formations pour armer idéologiquement nos jeunes et faire d'eux les futurs responsables de notre parti et de ce pays pour que le MPP, dans la durée, construise une société de progrès et de démocratie. Nous ne voulons pas une jeunesse uniquement appelée lors des élections, une jeunesse abandonnée à elle-même dans le tohu-bohu du néolibéralisme. Nous ne voulons pas une jeunesse livrée à elle-même dans le chômage et qui n'a aucune perspective historique. Nous voulons une jeunesse consciente, formée sur les valeurs de la social-démocratie, qui sont prêts à se battre pour la justice sociale, pour la liberté et surtout pour le progrès de notre peuple. Cette première session de formation réunit tous les représentants de jeunes des 45 provinces du Burkina Faso. Durant 3 jours, ils s'entretiendront autour des thèmes comme l'engagement de la jeunesse pour le renforcement de la démocratie, l'économie burkinabé dans le contexte socio-démocrate du 21e siècle, justice et égalité dans le contexte socio-démocrate du 21e siècle et bien d'autres thèmes. Reste qu'à souhaiter plein succès aux travaux des jeunes du mouvement du peuple pour le progrès. La campagne de plaidoyer lancée en 2014 par les acteurs de la société civile dans le cadre de l'exploitation minière au Burkina a donné du fruit avec l'adoption d'un code minier le 26 juin 2015 par le Conseil national de la transition. Cependant, une année après, il n'y a toujours pas de texte d'application de ce code. Une situation qui inquiète l'organisation burkinabé pour le renforcement des capacités de développement. C'était de la responsabilité du gouvernement, une fois que le Parlement a adopté une loi, de mettre en place immédiatement les textes d'application. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Le ministère en charge des mines est la seule institution à vous dire pourquoi. Mais nous pensons qu'il y a un certain nombre de débats qui se mènent encore autour de ces textes-là. Parce que vous savez que ça implique plusieurs acteurs, dont les investisseurs miniers, qui ont encore un débat, leur avis à donner en quelque sorte, sur l'adoption de ces codes-là. Je pense que le ministère dans une logique de concertation et de consultation, comme on l'a fait avec le processus d'adoption du code, pour pouvoir aboutir à des textes d'application de façon consensuelle. Malheureusement, c'est bien de se concerter avec tous les acteurs, mais mettre une année pour adopter les textes d'application d'une loi, nous pensons que c'est un peu trop. C'est pourquoi nous sommes en train de nous organiser pour voir dans quelle mesure, en tant que société civile qui s'est battue pour l'adoption de ce code-là, comment on peut amener les autres acteurs à ce qu'on puisse aller très rapidement dans l'application de ces, dans l'adoption de ces textes d'application. Parce qu'une loi n'a pas de sens si elle n'a pas de texte d'application. Au cours de cette conférence publique, les échanges ont porté sur les innovations, enjeux et défis du nouveau code minier. Un code salué dans son ensemble par le directeur de l'Institut Fruits Afrique qui exhorte la société civile à poursuivre son processus de plaidoyer pour l'élaboration de bons textes d'application. Nous considérions que l'ancien code avait une sorte de promotion de l'investissement minier, sans tenir compte du développement de l'économie locale. On a essayé par deux moyens
de faire en sorte que le développement des mines puisse entraîner d'autres secteurs. Le premier moyen, c'est la préférence donnée aux entreprises locales dans la commande des entreprises minières. Le deuxième moyen, c'est la préférence donnée à l'emploi local dans le recrutement des sociétés minières et une sorte de possibilité, de stratégie que l'État doit mettre en place pour que dans les sociétés minières, il y ait continuellement de la formation, du transfert de capacités, pour que ce ne soit pas continuellement des expatriés qui soient à plusieurs niveaux de direction dans les sociétés minières. Donc voici en gros un ensemble d'innovations. Il y en a d'autres qui concernent l'environnement, un fonds de réhabilitation qui a été renforcé. Il y a des innovations qui concernent la transparence et les délits d'initiés. C'est-à-dire faire en sorte que désormais, si je suis secrétaire général ou directeur du cabinet du ministère des Mines, je ne puisse pas avoir des intérêts directs dans une société minière parce que j'ai une capacité à jouer sur la législation ou à jouer sur la délivrance de titres. Donc qu'on évite ces délits d'initiés, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'ancien code. Voilà, donc aujourd'hui, le travail consiste pour la société civile à continuer le plaidoyer en ce sens et à faire en sorte que les textes d'application sortent et que ce soit de bons textes d'application. Parce qu'un bon code minier ne restera pas un bon code s'il n'y a pas de bons textes d'application. Et ces textes d'application doivent faire en sorte que les bénéfices attendus du nouveau code soient réalisés dans le concret au profit des populations locales et au profit de l'ensemble des finances publiques du pays. Créé en fin 2011, ORCADE est une association apolitique burkinabé, non gouvernementale et à but non lucratif. Elle a pour objet essentiel les questions économiques et sociales visant à promouvoir le développement. Concernant l'exploitation minière, l'association entend bâtir une stratégie pour suivre et évaluer la mise en œuvre du nouveau code. Ils sont 22 lauréats, dont 6 femmes, à recevoir le certificat de fin de formation à l'Institut biblique Oliab de Tampuy ce dimanche. Parents, amis et connaissances sont venus encourager ces impétrants qui, 3 ans durant, se sont consacrés à cette formation biblique en vue de soutenir dans la gestion spirituelle de leurs églises locales aux côtés de leurs pasteurs. C'est par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui m'a accordé la santé. Il a accordé la santé à ma famille et j'ai pu vraiment suivre pendant ces 3 ans ces cours. Et vraiment, nous avons beaucoup réussi. Sur le plan intellectuel, on a réussi des connaissances, mais sur le plan spirituel aussi, le fait de fêter les pères spirituels, on a aussi reçu la chaleur, on a aussi reçu beaucoup d'encouragement, on a partagé le fait de la vocation. Et cela vraiment nous a beaucoup réjouis, nous a fortifié beaucoup. Et parce que leur feu qu'ils ont allumé, encore dans nos cœurs. Et cela va nous aider encore. Et pour ceux qui vont continuer encore pour la fatia ou l'école biblique, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui va toujours continuer, qui va rester avec nous. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais par la grâce de Dieu, il nous a toujours permis de surmonter les obstacles pour arriver là où on en est. Que son nom soit glorifié. S'appuyant sur le texte de 1 Corinthiens 4, verset 2, le pasteur Innocent Kientga n'a pas manqué d'exhorter les lauréats à la fidélité comme indique leur nom de promotion. C'est vraiment se laisser imprégner par le Saint-Esprit, montrer de la fidélité, non seulement dans leur vie de foyer, dans leur église et même dans leur foi, qu'ils soient toujours aptes à relever les défis qui se dresseront devant eux. Et la fidélité paye toujours. Et nous savons dans la parole de Dieu, tous ceux qui l'ont vécu ont toujours rencontré le succès. Donc, c'est ça que ce n'est pas évident aussi d'exercer la fidélité dans ce monde actuel, avec les obstacles, les différents problèmes qui sont liés. Mais en restant attaché au Seigneur, je pense que la victoire est certaine. Ils pourront ainsi être vraiment des appuis dans leur Église. En rappel, les instituts bibliques Oliab forment depuis 1987 des laïcs capables d'accompagner valablement les pasteurs et toutes les structures de l'Église. Ouvert par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, cet institut de formation biblique accueille tous les chrétiens évangéliques sans distinction de dénomination.
L'Église des Assemblées de Dieu de Dagnoué a consacré le temps d'un culte pour célébrer les différentes communautés qui composent cette assemblée. Prêches, chants et danses du terroir étaient au menu de cette journée. Dans son adresse au peuple de Dieu, le messager du jour dira que l'ensemble des communautés de cette assemblée constitue le corps de Christ acquis à un grand prix. Vous êtes une race élue qui a de la valeur. Dieu vous considère que vous aviez de la valeur. Vous, corps de Christ à Dagnoué, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes une race élue séparée. Et Dieu veut que nous obéissions à la tradition de notre communauté. Ce qui est de la doctrine de l'Église, ce que nous croyons, ce que nous ne voulons pas que cela se produise dans notre assemblée, nous devons l'obéir. S'il arrivait que nous désobéissons, il se peut que Dieu ne va pas nous frapper comme il l'a fait pour Ananias dans la Bible. Mais ton esprit peut être mort et toi tu es là, tu continues comme si tu étais vivant. La terre, tu fais un tarzité na wa manrahi la la ninga la yon lève tira. Faut une kimin katarar kong. Et rappelle-toi que quand tu es en train de reporter en disant, bon, je vais continuer à faire le mal, au moment où je vais mourir, je vais pouvoir arranger les choses. Sache que tu peux mourir avant d'avoir pu arranger les choses. C'est pour cela, vous et moi, nous devons prendre garde et nous rappeler que nous sommes une race élue, séparée. Sur le sens d'une telle journée dédiée aux communautés, le pasteur Abel Kabore martèle que c'est une recommandation de Dieu que toutes les communautés soient restaurées. Nous avons tiré ça du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et les versets 7 et suivants, qui dit que la venue du Saint-Esprit, et au lieu que les Juifs parlent leur langue, les Juifs ont parlé la langue des autres pour dire que, en fait, le peuple juif n'a pas à coloniser, mais plutôt que Dieu connaît tout un peuple et chaque langue est connue de Dieu. Et cela veut dire que Dieu a donné la restauration de chaque identité, de chaque peuple, de chaque langue, de chaque personnalité. Donc, c'est restaurer leur personnalité pour leur dire que Dieu les connaît depuis le ciel. C'est pourquoi le Saint-Esprit a parlé dans d'autres langues connues, mais qui étaient délaissées au moment des fêtes, au moment du rituel juif. Et le Saint-Esprit a restauré leur identité pour leur dire « Dieu vous connaît et vous êtes bénis de Dieu ». Et c'est ça le fondement de l'Église, c'est toutes les communautés. C'est une bonne chose et nous aimerions que ça se répète chaque année parce que ça permet un brassage. Et cela vraiment est une bonne chose. Satisfait pour cette journée et nous prions Dieu que cette journée se répète autant que Dieu nous mettra en tout cas à cœur. Chaque année, on essaiera de faire quelque chose pour glorifier le nom du Seigneur. Outre les rythmes du terroir exécutés à l'honneur de Dieu, les mains des différentes communautés étaient également présentes à travers une rue marchande. Rendez-vous en 2017 pour encore magnifier les communautés. C'est au son de la fanfare que les 22 lauréats de l'Institut biblique Oliab ont fait leur entrée dans l'église des Assemblées de Dieu de Gungun ce dimanche 5 juin 2016. Soldat de Christ, c'est le nom de baptême de la 26e promotion section française et la 6e promotion section morée. Après 3 ans de formation et d'études bibliques sur 18 modules, ces lauréats sont aptes à soutenir l'œuvre missionnaire dans leurs églises d'origine. Je rends vraiment grâce à Dieu, parce que 3 ans, ce n'est pas 3 jours, mais le Seigneur nous a soutenus jusque-là. Et aujourd'hui, je suis dans la joie pour lui dire infiniment merci. Je loue son nom parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le vainqueur
des vainqueurs. Le cours que nous avons reçu, c'était très riche parce que ça nous a permis de mieux nous connaître la Bible, de bien connaître comment suivre le Seigneur et de faire l'œuvre selon la volonté de Dieu. C'est tout ça. Pour la suite, nous allons essayer de mener le combat comme on nous a demandé. C'est-à-dire, si vous lisez dans notre verset d'appui, nous disons que un soldat doit mener une mission. Et la mission est d'enseigner ce que nous avons appris à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc la suite de notre mission est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu aux personnes qui n'ont pas appris et qui ne connaissent pas encore le Christ, afin que ces personnes aussi puissent être sauvées de leur ignorance, afin qu'ils puissent comprendre ce qu'est la parole de Dieu et mieux la mettre en pratique dans leur vie pour mener une vie saine pour la nation et pour le Seigneur. Au cours de ces 3 années de formation, ce sont 18 modules que les étudiants ont suivis avec assiduité. Un signe qui montre que l'Église peut sans doute compter sur ses nouveaux lauréats pour épauler les pasteurs. Le niveau est acceptable puisqu'ils font les mêmes cours. Les mêmes modules dispensés en français sont traduits et dispensés en morée. Donc, ils ont le même niveau. Et aussi, les professeurs sont de haut niveau, ce qui fait que l'enseignement est vraiment crédible. Nous attendons qu'ils soient employés et dynamiques dans leurs églises locales, parce qu'ils sont formés et doivent faire valoir leur formation, leurs connaissances, en pratiquant, en exerçant un ministère local pour aider les membres de l'Église. Se référant au nom de baptême de ces 2 promotions, le pasteur Luc Tapsoba a dans sa prédication fait ressortir les caractéristiques d'un bon soldat de Christ. Avec 2 Timothée 2, versets 1 à 10 comme texte de base, l'orateur a invité les lauréats à se fortifier dans le Seigneur, à retransmettre l'enseignement reçu, accepter la souffrance en Christ sans peur et veiller sur soi-même pour ne pas se laisser séduire par les choses du monde. Débuté en 1987, l'Institut biblique Oliab compte de nos jours 22 centres de formation dans le pays et ambitionne couvrir toutes les régions du Burkina Faso. C'est dans l'après-midi du dimanche 5 juin 2016 qu'a eu lieu dans l'enceinte de la première église d'Assemblée de Dieu de la Padoie la sortie de la 2e promotion de l'Institut biblique Oliab, qui a choisi pour nom de baptême les élus de Dieu tirés de Tite chapitre 1 verset 1 et développé à l'occasion de la sortie par le pasteur Josué Dipama. On raconte qu'au temps de l'esclavage, il y a un noir qu'on avait amené dans les champs de plantation en Amérique. Et les colons ont vu que ce noir-là avait un comportement différent des autres. Et ils l'ont appelé. La boule à la main. Quand les autres nous voient, ils se courbent, ils baissent la tête. Mais toi, tu nous regardes droit dans les yeux. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres? Faut savoir que quand y'a un tondo, pour me donner un word tondo, la fois quand y'a un tondiès, faut comment un autre? Y'a bouyinga. Et il a répondu, la allez comment? C'est pas parce que je suis dans les liens. Et kayat mambe yemut poye. Vous m'avez mis dans les liens ici. Niam ninga mam yemut poye. Mais chez moi, j'étais un prince. Et la mam yure mamde a nabiga. C'est pas parce que je suis dans les liens que je ne suis pas prince. Kaya mam simbe yem mais parfois nous oublions que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu de Dieu. La toni mameti toni anem sin tunsi winam sim nyakabra mbatriya nabisi. Ce ne sont pas des hommes qui nous ont élus. Et kani salwe nyak toni. Le suffrage des hommes, ils peuvent vous reprendre ce suffrage là un jour. Nous avons choisi des députés, nous avons choisi des conseillers. Et ton député, mais leur mandat, il y a une limite. Et la bombe tourne à
teka. Mais c'est Christ qui nous a choisis. La ya Christ nyaktondo. C'est Dieu lui-même qui nous ya a élus. Ya wina menga nyaktondo. Et nous devons marcher la tête haute. La tontoma kena ne zuzekre. C'est un sentiment de joie qui anime les lauréats. Ah, ces 3 années de formation ont été très impériales pour nous. Et c'est ça, nous avons reçu des formations qui vont nous aider à pouvoir soutenir nos pasteurs dans nos différentes églises. Les différents modules que nous avons enseignés, en tout cas, il nous fallait ça. Donc l'Institut Oliab est la bienvenue et j'invite tous ceux qui veulent à venir car on apprend beaucoup de choses. La formation était bonne, mais le sacrifice y était. Parce qu'il fallait laisser les enfants à la maison le soir, le mari et venir. Mais nous avons, pendant la formation, nous avons vu que ça valait le coup de le faire. Donc, ça a été dur, mais on a tenu le coup. Ma pensée, c'était venir améliorer ma formation sur le plan biblique et connaître davantage Dieu et le servir. Effectivement, j'ai pu satisfaire. Et mes objectifs sont atteints et je suis contente. Pour les responsables, chacun en ce qui le concerne nous donne ses appréciations. Merci pour l'occasion que vous me donnez de tout d'abord présenter l'Oliab, parce que l'Oliab est un institut où on enseigne tous ceux-là qui veulent améliorer leurs connaissances et qui veulent aider les églises ou dans leur structure. Donc par conséquent, c'est très utile. Comme la Bible nous dit, par manque de connaissances, le peuple périt. Donc acquérir des connaissances n'a pas de limite. Et tant qu'on vit, on doit toujours chercher à connaître, parce que nous sommes dans un monde changeant. Et il faut être en phase de ce monde. Sinon, nous allons avoir des problèmes, même dans nos églises. Et si nous avons des gens qui sont instruits, alors la gestion devient très facile. Donc c'est très très utile pour nos églises et pour la région. Sûrement, il y a beaucoup qui hésitent jusqu'à présent. Mais ce qu'ils ont vu aujourd'hui les interpelle tous. Que c'est vraiment beau de servir le Seigneur. C'est vraiment magnifique de servir le Seigneur. Et il n'y a rien de tel. C'est le service qui paie aujourd'hui et qui paie pour l'éternité. Donc, j'aimerais inviter tous les frères et tous les sœurs de bien vouloir s'inscrire à l'Oliab. Car la manière dont ils vont entrer, ils vont ressortir bien regaillardis. Et je prie et je demande surtout aux Moréphones de ne pas hésiter de venir. Car nous avons également des cours de renforcement de capacité, surtout en alphabétisation, qui va les permettre encore de mieux connaître la langue morée et encore de mieux savoir comment écrire et lire. Et j'aimerais surtout interpeller les pasteurs de ne point cesser de demander à leurs fidèles de se faire former. Car c'est surtout au bénéfice même des pasteurs. La charge que nous avons dans nos églises, elle est si grande que s'il n'y a point de soutien, que s'il n'y a point des hommes et des femmes qui se lèvent et qui se mettent à côté de nous, et des femmes fidèles, capables, il sera difficile que nous puissions faire avancer le royaume de Dieu tout seul. Donc, il est opportun pour la plupart ou presque tous nos pasteurs de prendre ce ministère à bras le corps et recommander leur fidèles pour cette formation. La région de Bordeaux, le président avec son équipe et tous les professeurs de l'Oliab, Bordeaux et de Dassasco sont dévoués à former les non-laïcs. Mais comment on peut venir? Simplement en écrivant une demande manuscrite et en demandant à son pasteur de donner une lettre de recommandation et on vient, on passe le test, soit en français ou en morée. Puisque nous nous basons, pourvu que la personne ait le désir et la volonté d'étudier. Alors, les niveaux, soit en morée ou en français, c'est vrai, nous comptons, mais c'est pas, on ne met pas l'accent sur ça. On met l'accent sur la bonne volonté. Si la personne veut, alors on a l'habitude de dire, si on veut, on peut. Les cours ont lieu 3 jours par semaine, c'est-à-dire lundi, mardi et mercredi, de 18h à 20h30. Et les frais de scolarité par an se lèvent à 25 000 francs CFA. Collaborons avec nos pasteurs. Collaborons
L'église des Assemblées du Dieu de Burkina Faso à travers la Fatéar a encore pour la 19e fois offert au corps de Christ des serviteurs bien équipés pour accomplir la grande commission du Seigneur selon Matthieu 28, 18 à 20. La cérémonie de remise de diplômes a eu lieu le samedi 4 juin 2016 à l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo sous la présidence du pasteur Michel Ouedraogo, président du conseil général des Assemblées de Dieu, et la présence effective du président de la Fédération des églises et missions évangéliques FEME. À cette occasion, le président Michel Ouedraogo a invité les lauréats à plus d'ardeur dans le champ de la mission, à savoir semer avec foi et espérance l'évangile de Christ. Le Seigneur dans sa parole a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand il parle de moisson et qu'il parle d'insuffisance d'ouvriers, alors plus loin il dit « Priez le maître de la moisson eh bien, pour qu'il envoie plus d'ouvriers ». Nous voyons que le Seigneur encore a fait son choix. Eh bien, il a choisi encore des semeurs qui vont travailler dans son champ. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a décidé de les interpeller. Alors, à semer là où il faut, quand il faut, et ne pas perdre du temps, parce que, eh bien, la moisson est grande et on a peu de temps alors, pour la moisson. La Bible contient la réponse à tous nos problèmes. Si nous croyons que la parole de Dieu transforme la vie de l'individu. Eh bien, au lieu de s'entasser dans les églises, alors pour s'occuper que quelques brebis, eh bien, il faut sortir. Il faut élargir le champ. Il faut prêcher l'évangile alors, avec une discipline et réellement avec respect et une connaissance divine qui vient de Dieu. Alors, comme ils ont été bien instruits, alors ils sont capables d'enseigner, de prêcher, d'exhorter. Alors, donc, il faut être disponible au peuple de Dieu. Et cela peut amener une transformation, même à notre nation. Parce que si le peuple burkinabé reçoit la parole de Dieu et que nous croyons qu'elle transforme, nous allons trouver que notre nation même trouvera, eh bien, une transformation complète. Voilà. Ils sont au total 107 lauréats, dont 40 diplômés en théologie, 60 diplômés en licence et 7 diplômés en maîtrise. Une cérémonie très riche en couleurs avec la présence des amis, collègues, parents et frères et sœurs en Christ pour encourager les lauréats. Pour le docteur Étienne Zongo, président de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, il invite les lauréats à être des ambassadeurs partout où ils se retrouveraient. Nous lançons un appel à tous les lauréats, d'abord de prendre conscience à la vision de l'Église nationale des Assemblées de Dieu pour ceux qui sont Assemblées de Dieu. Cette vision s'intègre dans les messages que nous venons d'entendre, être prêt à semer, être prêt à être un vrai ambassadeur de Christ sur le champ et ainsi notre vision de gagner le Burkina à Christ, à savoir 8000 villages, 8000 églises, soit accomplie à la gloire du Seigneur. La Fatéar comprend deux sections, les étudiants pour les cours par extension et ceux du plein temps, dont le test d'entrée est fixé au 25 juin prochain à 8h à la Fatéar. Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de pouvoir donc suivre ces différents cours et de pouvoir être équipé pour aller dans le champ de Dieu comme nous l'avons entendu à l'intérieur, pouvoir être un semeur pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Bon, nous invitons tous ceux qui sentent vraiment la nécessité de travailler pour le Seigneur, qui ont été appelés par le Seigneur pour travailler dans son champ, à ne pas hésiter, à venir, parce que les cours qui sont dispensés sont de qualité et qui permettent vraiment, qui équipent vraiment les hommes de Dieu dans le service de Dieu. Un sentiment de joie et nous voulons rendre grâce à l'Éternel pour ce privilège qu'il nous a donné de pouvoir achever ces quelques années d'études donc en licence en théologie. Et nous disons merci au Seigneur parce que ce n'était pas facile, mais grâce à son soutien, je crois que tout s'est bien passé et nous voulons lui dire merci et lui donner toute la gloire. Bon, nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté. Ni c'était sa grâce, nous n'allions pas arriver à ce niveau. Nous ne faisons que dire merci à lui et merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'ici.
C'est vrai que ça a été un chemin un peu dur et long, mais grâce à Dieu, nous voici aujourd'hui dans sa grâce. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités ecclésiastiques du Burkina Faso qui ont bien voulu offrir à la sous-région un joyau comme la Fatéade où l'on peut encadrer les serviteurs de Dieu de tous les pays environnants du Burkina et d'ailleurs. Le bonheur d'avoir été formé à la Fatéade, je voulais aussi le partager avec mes frères du Mali. Et ma prière est que dans les années à venir, que le plus grand nombre de Maliens soient formés. Et nous voulons aussi que vous ouvrez pour nous une porte largement ouverte, parce que vous savez que le Mali, c'est la maison d'à côté, mais c'est un terrain de mission aussi. Alors, nous prions que des serviteurs de Dieu soient formés au Burkina, au Mali et partout aussi pour aller faire la mission, comme nous l'avons entendu ce matin dans les messages, que nous soyons des semeurs de la parole de Dieu, des semeurs de la bonne nouvelle au Mali, au Burkina Faso, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. La troisième édition de la semaine de prière du Temple évangélique Grâce et Victoire dénommée Sion 2016 a tenu toutes ses promesses. Débuté le 31 mai dernier, Sion 2016 a été des moments d'enseignement, de prière, de louange et d'adoration. Plusieurs thèmes ont été développés dont le principal a été « Élargis ta vision et reconnais ta valeur en Dieu ». S'appuyant sur le passage de Josué 1, versets 3 à 8, le pasteur Samuel Kabore, qui avait la lourde responsabilité de donner le message de clôture, indiquera que la parole de Dieu est claire. « Tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Josué 1, verset 3. Cette parole implique obéissance et engagement personnel et surtout l'action. Tout chrétien qui fera sien cette parole et agira en conséquence verra les résultats. Venus des USA, de la Centrafrique et du Burkina Faso, les orateurs ont su communiquer la vision du Seigneur au peuple de Dieu qui en sort restauré. C'est vraiment un moment béni. C'était un moment très très béni, surtout dans la présence du Seigneur. On ne peut pas avoir un moment plus béni que quand on sent la présence du Seigneur, quand il nous visite, quand il vient et il passe à nos rangs. Comme je le disais à l'intérieur, c'est clair, c'est réel, il est là et j'ai été beaucoup béni alors par sa présence. Des moments d'exaltation, des moments bénis, ça nous a rapprochés du Seigneur. Et moi, j'étais particulièrement séminariste au niveau du sommet des leaders. Et le Seigneur m'a renouvelé dans l'intelligence, mais aussi dans l'engagement. Vous savez qu'au cours de notre vie chrétienne, on a pris des engagements avec le Seigneur. Mais notre nature humaine nous a permis d'oublier certains engagements. Et au cours de ce séminaire, j'ai revisité ces engagements avec le Seigneur et ça m'a fait du bien. C'est une grâce de participer à un tel séminaire où nous avons appris à être de vrais leaders que Dieu cherche de nos jours. Leaders à l'Église, leaders également dans la société, là où Dieu nous amène. Donc élargis ta vision, nous interpelle, dans le sens que chacun de nous a de la valeur en Dieu. Et Dieu nous donne Jésus parce qu'il sait que nous avons de la valeur pour lui. Voilà pourquoi chacun ne doit pas se mépriser, c'est ce que nous avons appris au cours de ces séminaires. Nous devrons reconnaître que nous avons de la valeur et avancer et élargir notre vision pour le royaume. Pour le docteur Elie Koumbem, hôte du séminaire, Sion 2016 aura été des moments d'édification et de restauration du corps de Christ dont on oubliera de sitôt. Sion 2016, c'est malheureusement la fin parce qu'on a vécu 3 jours bénis. Et on a reçu des enseignements de taille et vraiment qui nous ont stimulés et surtout il y avait beaucoup de pasteurs qui sont venus, qui ont reçu ces enseignements et nous croyons que ça va vraiment les booster pour l'œuvre de Dieu, pour qu'on soit pas une église seulement de quantité mais une église de qualité.
En attendant Sion 2017, dont le thème sera la dynamique du royaume de Dieu, les séminaristes sont appelés à s'approprier des riches enseignements reçus dans l'obéissance et dans l'action pour que la vérité contenue dans Josué 1, verset 3 devienne une réalité dans leur vie.